Yo, la famille, c'est comment? Voilà, c'est Stéphane Avi, votre humble serviteur de Science TV. Voilà, dans cette vidéo, il n'y a pas trop duré. Je vais vraiment pas durer. Je ferai l'effort de ne pas durer. Je vais réagir rapidement sur deux choses. Le direct décès du grand Oumoula et puis le poste de Serge Benoît. Voilà, mais avant de continuer mon allocution, j'aimerais signifier quelque chose. Je suis fan des Bordeaux, hein. Je suis grand fan des Bordeaux. Il y a beaucoup d'hommes qui savent ça, même si beaucoup en doutent toujours. Il y a beaucoup d'hommes qui savent ça. J'aimerais signifier que moi, mes analyses sont très objectives. Et puis je mesure mes propos. C'est-à-dire quand vous réalisez mes vidéos, là, vous voyez que j'affirme rien. C'est-à-dire, j'analyse ce que je vois, ce qui est. Si ça s'avérait que, après le direct de Mola, Claire Bailly, Tidjara Arafat, Desbordeaux, Kedevara n'aurait pas raison, je ferai une chose, une vidéo de réaction dessus. Mais tout porte à croire que ces derniers-là ont raison. C'est pourquoi je réagis. Non, ne vous emballez pas. Je mesure bien mes propos avant de parler. Voilà. Je vais commencer sur le grand Oumoula. Le grand Oumoula, apparemment, c'est comme si tu avais des âmes. C'est comme si tu avais. Quand je dis des âmes, je ne parle pas des âmes à feu, mais je veux dire, c'est comme si tu avais quelque chose que tu gardais, que tu vas révéler ce 14 heures-là. On attend tous le direct. Hein. On espère bien que tu seras convaincant. Parce que moi, j'ai un peu été choqué dans ta vidéo. C'est comme si, genre, tu envoyais foutre le monde entier, quoi. Voilà, je mesure mes propos. Quand je dis foutre le monde entier, c'est-à-dire, bon, moi j'ai ma maison, je suis au Maroc, je suis dans ma maison. C'est quoi l'objectif en fait? On sait que tu as accompli. Tu t'es réalisé dans ta vie. Ces derniers-là veulent se réaliser aussi. C'est pourquoi ils crient les ras-le-bol. Ils n'ont pas besoin de venir les ressasser que tu as une maison au Maroc. Parce qu'apparemment, je ne sais pas si tu faisais une vidéo pour nous annoncer que tu faisais un direct ce 14 heures-là où tu venais juste montrer ta maison. Voilà. Il n'y avait pas d'humilité dans ta vidéo et c'est ce que j'ai pas aimé. Voilà, tu n'as rien dit de mal, mais il y a beaucoup de choses que tu as dit qui vont te compromettre. Mais j'attends simplement le direct de 14 h promis là avant de réagir. Sinon, pour venir dire que vous ne dites pas la vérité, pas besoin de dire que actuellement, parler, 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 ça ne change rien à ton quotidien. Nous tous, on sait ça. Mais les mecs disent ils veulent d'abord, ils veulent manger. Faut leur donner un peu, c'est tout le débat qui est là. Maintenant, si tu penses que tu leur donnes quelque chose qu'on ne sait pas, faut faire le directement à savoir. Bref, je n'ai pas trop m'attarder sur mon vieux père Mola. Maintenant, toi, Serge Benoît, tu vois, on parle de réconciliation, mais toujours là, tu es toujours là d'un esprit moqueur. Il n'y a rien de mal dans ce que tu fais, hein. Mais quand tu connais le tempérament de Didier Arafat et de Desbordeaux, il y a des choses que tu dois éviter. Quand tu parles d'actifs de la diaspora, c'est parce que Arafat a fait un bon moment sans mettre les pieds au péril que tu as dit ça. Toi, tu sais qu'est-ce qu'on dit, c'est la vérité. Mais il n'y a pas rentré dans ça. Moi, ce que je vais te dire, tu as poussé mon artiste de Bordeaux à faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Et il t'a prévenu qu'il va faire ça. Faut éviter certaines choses. Si toi, on peut insulter ta mère, on peut insulter ton épouse, ça ne te fait pas mal. Faut éviter certaines choses. Tu n'aimes pas te mélanger, non? Donc, ils sont dans les mouvements là. Faut enlever ta bougie. C'est tout ce que nous on te demande. Hein? On n'a rien contre toi. On veut même te soutenir dans ton conseil de 10 ans de carrière là. Mais quand tu réagis comme ça, c'est pas intéressant. Tu as un esprit moqué, c'est pas intéressant. Faut sursoir à ça. Parce que moi-même là, hier mobilisé, mes gants se réveillent sur toi. Tu penses que tu t'es moqué. Et tu n'es pas encore arrivé. Tu es en train de passer, tu le dis toujours dans tes vidéos. La vie artistique, là, elle peut dégénérer à n'importe quel moment. Donc prends un peu d'humilité et arrête de te moquer de tes amis. Le combat qui sont démenés, c'est pour vous tous. Voilà. Et puis j'aimerais lancer un message à mon artiste de Bordeaux. De Bordeaux, nous tous on te connaît. On te connaît. On sait que tu es un dégameur. Mais pardon, on ne veut plus que tu dégames. La femme de Benoît, sa maman là, il faut les laisser. Si tu veux là, il faut insulter Benoît comme tu veux. Nous, on va t'aider à l'insulter. Mais pardon, les femmes là, il faut les oublier. Voilà. Et puis il préfère que tu l'ignores même. Il faut l'ignorer. Voilà. Donc, vieux père Mola, on attend le direct là. Hein. C'est tout ce que j'avais à dire. On attend le direct là, puis on va décortiquer ce direct là. Voilà. Et voir si tu as raison ou pas. Mon famille, soyez branchés. Donc, 16h, 17h, 18h, j'aurai ma vidéo. En tout cas, si le vieux père Mola a fait sa vidéo, quoi. Donc, ciao, ciao, c'était ma vidéo du jour. Moins les 5 minutes. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Bonne journée.